sur Je vous emmène golfer, la chaîne de découverte du golf, et aujourd'hui on se refait la Ryder Cup, les amis. Regardez cette tribune vide. Il y a encore quelques jours, il y avait 8000 personnes qui gueulaient ici. Je suis avec Christian aujourd'hui, vous le connaissez à force, et puis deux acolytes qui sont venus découvrir le parcours avec nous, que vous allez découvrir à la caméra, et on va se faire une partie en équipe, un force ball, pour commencer. Le parcours se trouve juste là, et on s'y retrouve immédiatement. C'est parti les amis. For the United States of America, Adnan and Raphaël. For the Europe, Christian and Stanley. Alors voilà, c'est le trou numéro 1, c'est le trou numéro 1 de la Ryder Cup. Alors je ne vous cacherai pas qu'il y a une certaine pression un peu nouvelle que je ne connais pas au golf. Alors ne vous attendez pas forcément à du score, on est sur le parcours de l'Albatros et des petits retours qu'on a eus pour les amateurs, il est chaud. Mais vraiment pour le partage d'un rêve de môme, on est sur le parcours de la Ryder Cup. Allez, je pense que c'est parti. 14h pile, wow, top. Ouais. Ouf. Ouais, je crois. Je suis pas sûr, je suis pas sûr, mais... Je suis pas certain non plus, mais je pense qu'elle est restée. Je le souhaite. Ah là 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 là, ça flotte aussi. Alors j'ai pas vu l'impact, mais... Allez hop, trou numéro 1, on a tapé des balles, une pression incroyable. Donc voilà, c'est parti, c'était le tee numéro 1. Juste 2 mètres au départ, c'est tout de suite impressionnant, c'est dingue. Donc on a mis des balles un peu en vrac, probablement vers l'eau. La mienne est peut-être restée, celle de Christian doit être dans l'eau, celle de Raphaël est dans l'eau. Mais voilà, c'était la pression du 1. Autant des fois, vous comprenez, il y a une pression particulière au départ du 1. Mais alors là, ça l'est d'autant plus avec toute l'infrastructure et ce qu'il peut y avoir. Il y a à peine 15 jours, les meilleurs mondiaux qui jouaient ici. Allez. Ouais. Ref. Ref. Ouais, ouais, mais t'es fairway. Joli, bien contacté. Non, non, c'est bon, elle est belle. Allez, 193 mètres, donc je ne vais pas au drapeau. Je ne vais pas prendre le risque d'aller dans l'eau. Attention les gars. Ah putain! Alors, ma balle qui est partie à gauche, c'était pas mon alignement. Et dans la flotte, fallait bien en mettre une. Ça commence. C'est bien ça! Bunker! Ouais, oh, c'est bien touché ça. Ah! Je sais pas ce qui est le plus impressionnant, si ce sont les distances, le parcours, la beauté du parcours. Mais alors le trou numéro 1, wouah, en mode kata. Il y a du vent. Donc là, je surestime mes clubs, mais beaucoup trop. Une balle dans la flotte.
ça va pas être les plus beaux scores, mais probablement le plus beau parcours. Allez, à tout de suite sur le green. C'est beau ça. Allez, première sortie de bunker au national. Bon. Ah là là. Bon, au moins, si je vais dans l'eau, je sais qu'à la télé, ils l'ont fait. Ah putain. J'ai fait une pole Cazet. J'ai fait une pole Cazet. Ouais. Ah, j'ai pas vu. Non, ouais. J'ai pas réussi à sortir. Je vous fais le drapeau. Ouais. Ah non, ma balle, j'ai remis une balle dans l'eau là. Donc je compte sur Christian. Mais attention, vous êtes filmé. Waouh. Ça roule, hein. Les greens sont impressionnants. Yes. Joli pas, joli putt, joli. Oui, joli putt. Ah, il fait 6 aussi du coup. 6 aussi. Ah, ça paye pas. Eh bien voilà, c'était le trou numéro 1. Square. Bon, moi je fais une croix, hein, j'avoue. 2 balles dans l'eau. J'ai fait une pole Cazet. Allez, on se retrouve au trou numéro 2. Allez, trou numéro 2, un par 3, 163 mètres milieu de green. Mais avec, comme beaucoup de parcours, de la flotte. Donc, Square, USA, Europe, Square avec un bogey. Joli, ouais, tourne. Oh là 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 là. Oh, magnifique. Magnifique. Au drapeau. Trop beau. 100... Très très beau. Ouais, c'est le vent qui a poussé. Le vent m'a bien aidé. Ouais. Bah, je suis pas rigolant, mais... Joli. Ce sera à droite du green, mais elle y arrive. Ah, bunker. T'es prêt ou pas? J'ai voulu assurer, j'aurais dû prendre. C'est pas la plus belle. Non, le chemin, faut que je regarde dans le rough du chemin, putain. Ça va être sport. Ouais, c'est bien ça, Christian. Trop ? Ah, flotte ! Putain, c'est incroyable. Allez, trou numéro 2. Donc, une balle plein drapeau, celle de Atnan. Raphaël qui est dans un bunker. Christian qui a fini à l'eau. Et moi par là. Allez, alors 99 au drapeau, vent de dos, la balle est là, il y a quand même de l'eau à traverser et il y a du vent. Donc je prends un pitch. Et je... Elle est bien sortie. Ok. Et je serai à l'arrière du green, mais en jeu, en 2. Ça a beau être un par 3, je ne me plains pas. Alors voilà, on est sur un billard. Ça te fait quoi? C'est, t'as vu un peu? Sous les pieds, c'est super agréable. Ah, oh, c'est dingue. Le bunker m'a impressionné. Bah là, je vais y aller tout de suite. La qualité du sable. Et puis, tu sais, ils ont gardé le ratissage du sable, là. Comme à la Ryder. Bon, allez, Atnan a fait une balle de dingue.
T'as fait une balle de dingo. Alors quand même, une balle digne de la Ryder Cup. 1m50 du drapeau. 163 mètres au fer 7. Joli. Waouh, joli. Et ben voilà. Dépucelage de bunker à la Ryder Cup. Je débarrasse. Oh, bogey. Bon, les Américains jouent pour birdie, là. Il part bien. Ah, tourne, ouais. Joli, joli par. One up for the United States of America. Ouais, yeah. Ça, on n'avait pas vu cette cohésion dans la vraie équipe américaine. Allez. C'était le trou numéro 2, le par 3 du national. Et on enchaîne. Donc, one up pour les Américains. Mais l'Europe n'a pas dit son dernier mot. PS, faire un bogey dans les conditions dans lesquelles je fais, je suis plus qu'heureux. J'ai pas perdu de balle cette fois-ci. Allez, trou suivant. Trou numéro 3. Donc trou numéro 3, les Américains ont pris l'avantage. 475 mètres des blancs. Avec cette particularité, c'est que allez, les 180 premiers mètres vont être galères, faut les passer. Et après, ça a l'air d'être du billard, mais encore faut-il les passer. Allez les gars. Ouais. Ouh, ça tourne. Après, c'est peut-être un peu plus stressé de ce côté-là. Ah, joli. Tout droit. Un plein fairway. J'ai vu un rebond, ouais. Après, après c'est du rough d'ici. Oh, ça tourne. Oh, t'as eu un rebond qui est revenu. Alors tu vas être dans le rough. La pelouse là-bas, ouais. Joli. Dans le ciel. Alors elle tourne. Ah mais allez, fairway à gauche, fairway. Oh là là, vous entendez certainement le vent qui est super fort, donc ça rajoute aussi à la complexité du parcours. Donc là, trou numéro 3, il est long et entouré de rough de dingue. Donc deux balles en jeu. Enfin, Raphaël a mis une vraie balle en jeu, moi j'ai tapé les roughs, les buts. Je ne sais pas trop où elle va être pour le deuxième coup. Et Christian, un peu en difficulté, atteint une mine provisoire qui était splendide. Une distance de Ryder Cup. Allez, on se retrouve au coup numéro 2, 3 ou 4, on verra. Allez, on se retrouve sur le parcours, à tout de suite. Je suis derrière la butte là-bas. Ah ouais, ok. Ok, eh ben nickel. Replacé, plein milieu fairway. T'es un peu plus loin, Christian. Hein. J'étais pas très très long, moi. C'est comme toi. Hein. Ouais. Si on t'avait dit tu signes, t'aurais signé. Moi, je le prends. Ok. Donc la stratégie, elle est toute simple. Dès qu'on est en difficulté. Dès qu'on est en difficulté, ça a été mon cas. Replacement, fairway, replacement, fairway, replacement, fairway. Allez, Christian. C'est bon. Allez, reste. Allez, bordure à droite, là-bas.
Super, Atlan va jouer de tout là-haut, là, sa première. Allez, Raph. Eh ben écoute, t'évites le vent. Après, ouais, c'est parti à gauche. Combien est-ce que j'ai en distance, là? L'arbre. Oh, l'arbre, il est à 200 mètres. OK. Ah, oh, putain. Plouf. Belle celle-là. Elle est belle sur le green, Christian. Donc je redrop une balle là. Et le drapeau, il est derrière l'axe là-bas. Ah putain, de grippe. Ok, je vais être dans les buts, moi. Putain, le tracé du parcours est exigeant. Et les refs sont compliqués, waouh, waouh, waouh. Mais même sur les bordures de fairway, le fairway c'est un billard. Et sortie du billard, c'est chaud. Hein. Ouh là 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 là. Non, t'as vu ça un peu le... On n'a pas vu cette émulation dans l'équipe américaine pendant la vraie Ryder Cup. Hein. Joli. Ah ouais, bunker probablement. À côté d'une sauce chinoise. Ah là là, alors l'arbre ou le bunker? Oh putain! Au pied de l'arbre. C'est touchy. Dis donc, Raphaël est plutôt bien. En 3 ici, l'ouverture. C'est joli ça. Très joli. Ah, derrière! Le drapeau, il est là. Ma balle est là. Je vais aller chercher le green là. Et puis voilà. Hein. Putain, même là, l'épaisseur. Oh là là! Ah! Putain, la punition que je me mets! Ah là 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 là! Ah putain! Ah, j'ai l'impression de me punir là! Du golf punition! Sadomaso! Ouais, ouais, bah du coup, je préfère ça, hein! Allez. Alors, le golf dans le dur. Deux coups dans le bunker. Je pense que vous les avez vus. Vous savez quoi? Arriver sur le green, c'est une vraie récompense. Waouh, waouh, waouh. T'es sur le green, tu te dis, ça y est, le plus dur est fait. Putain, ce que c'est dur. Oh, joli! Ouais. Allez, c'est ce que je viens de dire à la caméra, c'est quand tu arrives sur le green, c'est une récompense. Ça y est, le plus dur est fait. C'est... Oh là 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 là. Là en bleu, là on dirait Raphaël Jacquelin. C'est pas lui. Allez, c'est allez. Joli, c'est joli, putain. Ah. Donnez. C'est le truc. Je te laisse le bruit, hein. Je te laisse le plaisir du bruit. Le sable du bunker, tu l'as dédié. Tu crois pas là? C'est pas vrai, tu vas être court. Si, c'est vrai.
Allez, c'était le 3 dans le dur, on passe au 4.